Coucou mes loulous, on va faire un petit travail de logique et d'espace. C'est pour après apprendre à bien se repérer dans un quadrillage. Alors, je vous montre. Vous avez des petites maisons. Alors, avant de commencer cet atelier, il faut aller dans la description de la vidéo et prendre le matériel. Donc, il y a cette feuille, il y a cette feuille, et il y a aussi des petites cartes d'animaux. Voilà. Donc si vous n'avez pas d'imprimante, eh ben, il faut les faire à la main. Et les petits animaux aussi, il faut les faire à la main. Voilà. Alors, dis-moi ce que tu vois. Qu'est-ce que tu vois? Alors, tu vois des maisons. J'ai dit la réponse tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que tu vois? Il y a des maisons. Il y a une maison bleue, une maison jaune, une maison verte. Et une maison rouge. Et dans les maisons, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce qu'il y a dans les maisons? Regarde bien. Il y a des étages. Premier étage, deuxième étage et troisième étage. On va les appeler des chambres. Chambre 1, chambre 2, chambre 3 de la maison bleue. Chambre 1, chambre 2, chambre 3 de la maison jaune. Chambre 1, chambre 2, chambre 3 de la maison verte. Et chambre 1, chambre 2, chambre 3 de la maison rouge. On va jouer avec des petites grenouilles. On va faire ensemble d'abord, d'accord? Alors, je vais te demander de ranger une petite grenouille dans la chambre 1 de la maison verte. Si tu n'as pas le matériel au départ, tu peux montrer avec ton doigt où je la range, cette grenouille. Je t'ai demandé de la ranger dans la chambre 1 de la maison verte. C'est ici. Ici, c'est la chambre 1 de la maison verte. Allez, une autre petite grenouille. Tu vas la ranger dans la chambre 3 de la maison rouge. Chambre 3. Maison rouge, elle va faire dodo. Dans la chambre 3, maison rouge, c'est où? C'est ici. Elle fait dodo dans la chambre 3 de la maison rouge. Encore. Une autre petite grenouille. Elle va dormir dans la chambre 2 de la maison bleue. Tu mets ton doigt? Chambre 2. Maison bleue. C'est ici. Elle fait dodo dans la chambre 2 de la maison bleue. Encore. La petite grenouille, cette petite grenouille, elle va dormir dans la chambre 3 de la maison jaune. Chambre 3, maison jaune. C'est où? C'est ici. Elle dort dans la chambre 3 de la maison jaune. Encore une petite grenouille. Alors celle-là, elle va dormir dans la chambre 1 de la maison bleue. Chambre 1, maison bleue. C'est où? C'est ici. Elle dort dans la chambre 1 de la maison bleue. Et une dernière petite grenouille. Celle-là, elle va dormir dans la chambre 2 de la maison verte. Chambre 2, maison verte. C'est où? C'est ici. Et voilà, on a rangé les 6 petites grenouilles. Alors, je les enlève. Et là, je vais te dire où on range les grenouilles, mais je ne fais plus avec toi. C'est-à-dire que, hop, je cache. Et je te dis, d'accord? Donc là, il faut que tu aies le matériel absolument, sinon tu ne peux pas faire la vidéo. Allez, tu vas ranger la grenouille dans la chambre 3 de la maison verte. Tu ranges la grenouille dans la chambre 3 de la maison verte. C'est bon? Si je vais trop vite, tu mets pause à la vidéo.
tu ranges une autre grenouille dans la chambre 2 de la maison bleue. Tu ranges la grenouille dans la chambre 2 de la maison bleue. C'est bon? Tu ranges une autre grenouille dans la chambre 1 de la maison jaune. Range ta grenouille dans la chambre 1 de la maison jaune. Allez, une autre grenouille. Tu vas ranger la grenouille dans la chambre 3 de la maison rouge. Tu ranges ta grenouille dans la chambre 3 de la maison rouge. C'est bon? Maintenant, tu vas ranger ta grenouille dans la chambre 2 de la maison jaune. Tu ranges ta grenouille dans la chambre 2 de la maison jaune. C'est bon? Et la dernière petite grenouille, elle va dormir dans la chambre 1 de la maison verte. Tu la ranges dans la chambre 1 de la maison verte. C'est bon? On va vérifier ensemble. Je remets la feuille au tableau et je montre le modèle et tu regardes si c'est pareil. S'il y a des ressemblances, c'est très bien. S'il y a des petites différences, eh ben, tu corriges. D'accord? C'est bon? Allez, j'enlève les petites grenouilles et maintenant tu vas prendre les autres animaux. Tu vas prendre les autres animaux qui sont dans la description de la vidéo. Il y a, c'est quoi ça? Un cheval. Il y a aussi. Tu nommes l'animal? Un cochon. Il y a aussi. Qu'est-ce que c'est? Un lapin. Il y a aussi. Une vache. Il y a aussi. Une poule et enfin, on la connaît bien celle-là, la petite grenouille. Allez, c'est parti, tu as tous ces petits animaux-là et on fait ensemble. Et après, on fait une deuxième fois où je cache moi mon travail et on montre après. Allez, c'est parti. Tu vas ranger la vache dans la maison jaune, chambre 2. Tu mets la vache dans la maison jaune, chambre 2. Hop. Tu vas ranger la poule dans la maison 1. Tu vas ranger la poule dans la maison rouge, chambre 1. Tu ranges la poule dans la maison rouge, chambre 1. Ici. Tu vas ranger le lapin dans la chambre 2 de la maison bleue. Tu ranges le lapin dans la chambre 2 de la maison bleue. C'est où? Ici. Tu vas ranger la grenouille dans la chambre 3 de la maison verte. Tu ranges la grenouille dans la chambre 3 de la maison verte. C'est là. Tu vas ranger le cochon dans la chambre 1 de la maison bleue. Tu ranges le cochon dans la chambre 1 de la maison bleue. Ici. Et tu vas ranger, la dernière image, c'est le cheval. Tu vas ranger le cheval dans la maison rouge, chambre 3. Tu vas ranger le cheval dans la maison rouge, chambre 3. C'est là. Et voilà. Alors, j'enlève. On va refaire. Moi, je cache. D'accord? Et après, je montre la réponse. Allez, c'est parti. Tu vas ranger le cochon dans la chambre 1 de la maison jaune. Tu ranges le cochon dans la chambre 1
de la maison jaune. Maintenant, tu vas ranger la poule dans la maison rouge, chambre 2. Tu vas ranger la poule dans la maison rouge, chambre 2. Tu vas ranger le lapin dans la chambre 2 de la maison bleue. Tu vas ranger le lapin dans la chambre 2 de la maison bleue. Tu vas ranger la grenouille dans la chambre 3 de la maison verte. Range la grenouille dans la chambre 3 de la maison verte. Tu vas ranger la vache dans la chambre 1 de la maison verte. Tu ranges la vache dans la chambre 1 de la maison verte. Et enfin, tu vas ranger le cheval dans la chambre 3 de la maison jaune. Tu vas ranger le cheval dans la chambre 3 de la maison jaune. C'est bon, tu as fini? Allez, je montre. Et tu regardes si c'est pareil. Et tu corriges s'il y a des erreurs. C'est bon? Allez, j'enlève. On va faire un petit peu plus dur maintenant. Regarde, tu vas devoir prendre 7 feuilles. Alors, tu vois la différence dans cette feuille? C'est que les maisons, par rapport à ici, tu vois là, elles étaient décollées. C'était 1, 2, 3, 4 maisons. Et bien là, les maisons, elles sont toutes collées ensemble. Donc, ça crée un immeuble. Maintenant, c'est un immeuble. Dans cet immeuble, il y a toujours l'étage 1, l'étage 2 et l'étage 3. Et maintenant, pour ranger les animaux, je vais vous parler en ligne et en colonne. Alors, une colonne, c'est debout. Une colonne, c'est ça, c'est un bâton debout. La colonne bleue. La colonne jaune, la colonne verte et la colonne rouge. Et je vais aussi parler en termes de ligne. La ligne, c'est un trait couché. La colonne, c'est un bâton debout. La ligne, c'est un trait couché. Il y a la ligne 1, la ligne 2, et la ligne 3. Ligne, c'est couché. Colonne, c'est debout. D'accord? On fait ensemble. On va prendre que les petites grenouilles. Tu vas me montrer ton doigt. Tu vas me montrer avec ton doigt. La colonne jaune, ligne 3. Elle est où la case qui est dans la colonne jaune? Ligne 3. Alors, regardez bien. Colonne jaune, c'est la colonne qui est debout dans le jaune. Et ligne 3, c'est celle-là. Hop ! Ici, je mets ma grenouille. Tu vas ranger une grenouille dans la colonne bleue, ligne 1. Tu vas ranger la grenouille dans la colonne bleue, ligne 1. Montre avec ton doigt, c'est où? C'est ici, regarde. Colonne bleue, ligne 1. Tu vas ranger encore une petite grenouille dans la colonne rouge, ligne 2. Colonne rouge, ligne 2. Alors, regarde bien. Colonne rouge, c'est là. Et ligne 2, c'est là. Je range la grenouille ici. Allez, encore une petite grenouille. Tu vas ranger la grenouille dans la colonne verte, ligne 1. Colonne verte, ligne 1. Mets ton doigt.
colonne verte, ligne 1. Allez, encore une petite grenouille à ranger. Tu vas la ranger dans la colonne bleue, ligne 2. Colonne bleue, ligne 2. C'est où? C'est là. Colonne bleue, ligne 2. Allez, encore une petite grenouille. Tu vas la ranger dans la colonne verte, ligne 3. Colonne verte, ligne 3. Tu me montres avec ton doigt? C'est ici. Colonne verte, ligne 3. Alors, dis-moi combien il y a de grenouilles dans la colonne bleue. Je vous rappelle que colonne, c'est debout. Bâton debout. Combien il y a de grenouilles dans la colonne bleue? Il y en a deux, regarde. Un et deux. Combien il y a de grenouilles dans la colonne rouge? Combien il y a de grenouilles dans la colonne rouge? Regarde, c'est là. Il y en a une. Combien il y a de grenouilles dans la ligne 3? Je vous rappelle que la ligne, c'est le trait couché. Combien il y a de grenouilles dans la ligne 3? Elle est où la ligne 3? Elle est là, la ligne 3. C'est un trait couché. Alors, combien il y a de grenouilles dans la ligne 3? Il y en a deux, regarde. 1, 2. Là, c'est la ligne 3. 1, 2. Combien il y a de grenouilles dans la colonne jaune? Je vous rappelle, colonne, c'est bâton debout. Combien il y a de grenouilles dans la colonne jaune? Regarde, la colonne jaune, c'est celle-là. Il y a une grenouille. Allez, j'enlève. On va refaire ensemble, mais cette fois-ci avec les autres petits animaux. Le cheval, la vache, etc. D'accord? Alors, tu vas ranger. On fait encore ensemble, après on fera je cacherai. Tu vas ranger la vache dans la colonne jaune, ligne 1. Tu ranges la vache dans la colonne jaune, ligne 1. C'est ici. Colonne jaune, ligne 1. Tu vas ranger le lapin dans la colonne verte, ligne 3. Tu ranges le lapin dans la colonne verte, ligne 3. C'est ici. Colonne verte, ligne 3. Tu vas ranger le cochon dans la colonne rouge, ligne 2. Le cochon, il est dans la colonne rouge, ligne 2. Il est là. Tu vas ranger le cheval dans la colonne bleue, ligne 3. Tu ranges le cheval dans la colonne bleue, ligne 3. Ici, tu vas ranger la petite grenouille dans la colonne jaune, ligne 2. Colonne jaune, ligne 2, la grenouille. Ici. Et tu vas ranger le dernier petit animal, c'est la poule. La poule, tu vas la ranger dans la colonne verte, ligne 1. Colonne verte, ligne 1. Ici. Et voilà. Allez, j'enlève. Hop. Et je vais cacher, on refait. D'accord?
Alors, c'est parti. Après, je montre la réponse. Tu prends le cochon, tu vas l'arranger dans la colonne rouge, ligne 1. Le cochon va dans la colonne rouge, ligne 1. Maintenant, tu prends la vache. La vache, elle va être dans la colonne bleue, ligne 3. Colonne bleue, ligne 3. C'est bon? Tu prends le lapin. Le lapin, tu le ranges dans la colonne jaune, ligne 2. Colonne jaune, ligne 2. C'est bon? Tu vas prendre la petite grenouille. La petite grenouille, tu vas la ranger dans la colonne verte, ligne 1. Colonne verte, ligne 1. C'est bon? Tu prends la poule. La poule, tu vas la ranger dans la colonne bleue, ligne 1. Tu ranges la poule dans la colonne bleue, ligne 1. Et enfin, le dernier petit animal, le cheval. Tu prends le cheval. Tu le ranges dans la colonne rouge, ligne 3. Tu ranges le cheval dans la colonne rouge, ligne 3. C'est bon? Je monte la réponse. Tu regardes s'il y a des ressemblances. S'il y a des ressemblances, c'est très bien. S'il y a des différences, eh ben tu corriges. D'accord? Tu corriges les erreurs. Alors, je te pose une question et toi, tu dois me répondre où est placé l'animal. Par exemple, je pose la question et je montre la réponse. Je dis la réponse. Où est le cochon? Je dois répondre. Le cochon est dans la colonne rouge, ligne 1. D'accord? Le cochon est dans la colonne rouge, ligne 1. À ton tour. Où est la grenouille? Alors, tu me dis pas, elle est là, hein, en montrant avec ton doigt. Tu me fais une phrase avec des mots. Où est la grenouille? C'est bon, tu as répondu? Je dis la réponse. La réponse, c'était, la grenouille est dans la colonne verte, ligne 1. D'accord? Maintenant, dis-moi, où est le cheval? Je dis la réponse. Le cheval est dans la colonne rouge, ligne 3. Où est la poule? Où est la poule? La poule est dans la colonne bleue, ligne 1. Où est le lapin? Le lapin est dans la colonne jaune, ligne 2. Où est la vache? La vache est dans la colonne bleue, ligne 3. Où est le cochon? Le cochon est dans la colonne rouge, ligne 1. Et voilà. Alors, tu peux refaire ce travail plein de fois à la maison, avec la vidéo, ou aussi avec quelqu'un qui est dans la maison avec toi, quelqu'un de ta famille. Et c'est lui qui va dire, range-moi l'animal et toi tu le ranges. D'accord? Plein de bisous et bon courage!